Une idée me taraude depuis que j'ai 8 ans. Du soir jusqu'à l'aube, c'est le même questionnement. Je ne rêvais pas d'être astronaute, ça inquiétait ma maman. À qui la faute? Au Nouveau Testament. La passion du Christ, quelle était-elle donc? J'ai beau relire la Bible, la lire de l'argent long. Était-il philatéliste? Collectionnait-il les papillons? Agiotophile, ancylophile, bibliophile, numismate, capéophile, nanomane, luminophile, ou bien pyromane. La passion du Christ, à quoi rime cette expression? Ça m'énerve, ça me crispe. Je me pose toujours la question, était-il féministe? Pratique-t-il l'équitation? Pulpeuse, maigre comme un clou, chahuteuse, sage comme tout, tricoteuse, fan de sudoku, dragueuse, femme d'un seul époux. Cristo mia speranza e risorto. Giungo a tutti voi la voce esultante della Chiesa, con le parole che l'antico inno pone sulle labbra di Maria Maddalena, la prima ad incontrare Gesù. La passione di Cristo, quel drôle d'expression, même les moines bouddhistes se pose la question, était-il cycliste ou adepte du ballon rond? Footballeur, pongiste, handballeur, prince du biathlon, kickboxeur, culturiste, plongeur, joueur de badminton. Un prêtre de mes amis pense qu'il aimait les jeunes garçons.